Il paraît que ça a repris deuxième mi-temps. Allez, tout de suite, on vous balance le petit jingle en remerciant tout de suite l'imprimerie Estampère qui nous a fait de super flyers disponibles un peu partout dans la ville, y compris aux 15 rue d'Éloie, Sportal 652. La deuxième mi-temps, en quelques secondes, dès qu'on a retrouvé la sonde, on va dire. Bon, on voit Jean-Louis. Coupe du monde de rugby 2007 sur Radio Campus Toulouse avec le conseil régional de Midi-Pyrénées. Ah oui, bah oui, là, qui ne met les deuxième mi-temps, je ne sais pas où vous étiez passé, vous avez un pet au casque peut-être, hein, la deuxième mi-temps vient redémarrer, affiche le temps, Jean-Loup, on ne sait pas combien on a perdu de temps, la mi-temps au rugby c'est tellement petit, alors qu'ici le suspense est total. Enfin, on remet tout en état, Jacques, hein, on rappelle le score. Oui, sauf qu'on ne remet pas, mais il n'est même plus affiché, j'ai l'impression qu'il y a une grève du score. C'est vrai que se passe-t-il, on a honte du score en France. Ouais, qu'est-ce qui se passe, Jean-Louis? Ce sont les consignes du ministère de l'Intérieur et de la Popularité. Ah, Jacques, ce que tu soulèves comme problème est assez intéressant, finalement. Est-ce qu'il n'y aurait pas une forme de censure sur le score en ce moment à la télévision française? Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour obtenir de bons scores aux élections? Oui, non mais là Jacques, effectivement, vous soulevez un problème. Bon, il y a le match bien évidemment qui a repris. La seule chose que je sais soulever, c'est les problèmes. Je ne vous crois pas. Vous êtes un queutard, j'en suis sûr. Ah non, je me couche queutard, c'est tout. Attention à ce ballon pour l'équipe de France. Nous allons reprendre délicatement cette seconde avec période. Les All Blacks qui ont repris les choses en main. C'est vrai que là maintenant on voit cette équipe donc avec Diego Maradona. Jacques, écoute cette musique. C'est vrai, pardon. Ce match reprend sur une note particulièrement suave. Ouais, la note, avec nos amis français qui récupèrent le ballon. Moi, ce soit vraiment les All Blacks, je me pose des questions sur cette équipe. Bon, pour tout dire, ils ont beau aller à droite, ils ont beau aller à gauche, ils n'avancent pas. Je ne comprends pas cette équipe de France qui est soit des avatars, soit qui est un avatar, mais à un moment donné, on nous met pas... On en revient toujours à Chile. Ok. Merci, attention à ce ballon, il va être extirpé du mol français par Mignonette. Bonbon Créma qui tente de progresser là-bas par un long coup de pied, mais il le met directement dans les bras, tranquille. Il peut même arrêter l'action s'il le veut. C'est peut-être pas forcément... J'y pense pas, parce qu'il y a tellement de choses... Bien sûr, mais madame, nous aussi on n'y pense plus là au score. On essaye. On pense plus au sport, on pense plus à l'enjeu. La France à 11, la France à 11 du score. Pensons à cette rentrée sociale difficile, cette rentrée économique particulièrement dense et pénible pour nous. Ça fait combien au score? 17-9, un truc comme ça, c'est ça? Il y a 8 points d'écart. Merci Jacques. Ce rêve bleu. Ouais, on voit là le huissier de justice qui va récupérer les sous de l'entraîneur qu'on voit dans les publicités partout en France, mais on se demande bien effectivement où est le coaching là dans ce match après. Mais en fait, il est pas bête, hein, parce un essai encaissé côté français. Il coupe son jambon bain de range avec les rasoirs bic, c'est quand même intelligent. Bien sûr. 17-9 pour l'équipe d'Argentine dans cette deuxième mi-temps. Il n'y aurait pas Charles qui serait rentré, non? Il n'y aurait pas. Ça râle un peu partout en France. Il me semble. Ou alors j'ai rêvé, bien sûr, maintenant on le voit partout. Ah, ça y est, le pack français progresse. Il se soude, il se retrouve, peut-être. Il s'est fait sermonner, il s'est fait secouer, il s'est fait insulter. Le pack français! Merci, Jackie, mais vous avez repris votre micro à la créatine, là. Faut arrêter ce micro. Un coup a été donné par Mignonette. Ouais, l'arbitre de toute façon montre qu'il y aura soit une mêlée, soit un avantage pour l'équipe de France. Celle-ci tente d'y aller en force maintenant, d'humilier l'Argentin pour le haut. Que c'est beau, ils y sont tous. 50 joueurs. Oh là 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 là. 50 joueurs. C'est Rumble Catch. Je pense que un peu à l'image de nos autoroutes en France, on leur a remonté les bretelles. Attention, le ballon va être sorti par l'équipe de France. Ça va rentrer ça. Non, ça va rentrer. Ouais, Jacques, au vestiaire. Non, ils en sortent. Ils vont pas y aller tout le temps au vestiaire quand même. Attendez, s'ils prennent un contre maintenant, un deuxième essai, ils comprennent qu'à un moment donné, ils vont arrêter les Français. Allez, ils essayent d'aller au ras, ce qu'on appelle au ras en force là, de bastonner, pétonner. Pétonner. Allez. Sûrement, tu me diras la chaîne qui retransmet cette confrontation. Là, on sait pas trop, on voit la ligne blanche effectivement. Mais on voit le ballon qui est loin quand même encore, de la ligne blanche. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir un ballon blanc comme une ligne blanche? Alors écoutez, je prends 5 secondes pour réfléchir, merci. Est-ce que ça peut pas être pénible d'ailleurs en matière de vidéo? Est-ce qu'ils pourraient pas mettre des ballons de couleur? Non, mais un bip, voilà, un ballon qui, tu sais, avec le numérique maintenant, tu peux le faire flashy le ballon si tu veux, tu fais ce que tu veux avec le ballon, quoi, je veux dire.
À un moment donné, pour nous. Là, on nous montrerait le ballon, là, avec un, tu sais, un truc un peu transleur. Tu comprends ce que non, je veux dire? Non, l'avenir du ballon, je pense que ce sont les, une fois de plus, les nanotechnologies. Les nanotechnologies, ah, bien là, sûr, avec des mini-caméras dans le ballon pour suivre celui-ci en direct de l'intérieur, bien sûr. C'est à venir dans Sportaz, bien sûr. Vous aurez plus de précision dans notre prochain match dès demain soir, 21h, Italie-France et du foot éliminatoire de l'Euro 2008. Nous y serons avec les Français qui y sont dans les 22 argentins. Ils reculent, disons. Et oui, pénalité, le ballon s'est dégagé, les Argentins, on a conservé le ballon. Et voilà, et voilà. Oh, la défense argentine, la défense argentine. Oh, c'est Jacques, c'est les vieilles de mai, cette défense argentine. Ils ne lâchent rien, mais alors absolument rien. Bête de Seine, Pétard de Villiers. Pétard de Villiers qui semble s'être fait un peu souffler dedans. Et il a du mal à récupérer Bête de Seine aussi, ça c'est plus inquiétant. Si on commence à voir du côté français le problème physique, peut-être que c'est en train de tourner sacrément. Et on voit quand même cette défense argentine sur l'increvable, ils sont deux. Effectivement, on voit bien qu'il essaye de lui contester bien le sûr, ballon bien sûr qu'il dans faut les lâcher, règles. Il faut lâcher la balle, c'est la règle. On ne peut pas la garder pour soi tout seul, c'est encore un geste égoïste bidon. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est pénalisé le joueur. Complètement, pour bien sûr. Parce qu'il bien a sûr. Été méchant. On appelle ça un sport collectif quand même, le rugby, le foot, tous ces genres de sports. Effectivement, l'individualité peut malade, s'exprimer, mais c'est au service de la collectivité. Mais là, on a vu une malade, hein, Jean-Louis, je ne sais pas sur quelle chaîne tu es passé, mais... Ah, Charal se prépare. Déjà dans la tête qui passe, comme j'ai dit, entre le football qui prend beaucoup énormément sur notre vie privée, quoi. C'est une joueuse, une femme de joueuse. Je sais, c'est peut-être une rugby woman qui est mariée avec un camionneur. Footballeur. Ouais, un footballeur peut-être. Ou un représentant. Jackie, des précisions là où vous êtes, hein, et ta cœur. C'est autre chose. Écoutez, s'il vous plaît. À un moment donné, quand même, il faut savoir s'incliner devant l'intelligence et l'éloquence. On écoute. C'est la pré-concentration hein, de l'équipe de France à la mi-temps, c'est ça? Non, ne racontez pas n'importe quoi, c'est une erreur. Ce n'est pas du tout ce que je voulais vous envoyer. Excusez-moi. Alors, coupez-moi ce son, merci, au revoir. Ouais, on voit Arthur, mais pas matin. Là, il est sur la pelouse un matin. Là, c'est Arthur du soir, hein, parce qu'évidemment, il a été déclassé au niveau des audiences radio. Hein. Ah évidemment, bon, tout le monde infos. Vieillit. T'as des infos? Oui, puis c'est vrai que Sporta, c'est intéressant, puisque c'est du soir au matin en fonction de la réalité sportive depuis très longtemps. Oui, et surtout du décalage horaire. Oui, Jackie, vous tirez du stade, hein? Non, pas du tout, on laboure pour l'instant. Là. Pardon? On essaye de creuser le sillon pour l'essai, mais pour l'instant, ça ne prend pas tout à fait. Ok, merci, Jackie. On est trop sur les ondes, okay, déjà. Ok, ouais. Allez à Sion, ouais, c'est ça. Et regarde, ça, au lieu de donner la balle négligemment, tu vois, le plus loin possible à 1 des joueurs français, les Argentins jouent finement et avancent petit à petit par des mini-chandelles qu'ils récupèrent. Et regarde, cette fois-ci, par contre, on déplace le jeu. On entend l'entraînement de Chaval. Charal, ou Chaval. Chaval, c'est pas mal non plus. Tu joues au tiercé en ce moment? Non, je sers le turf. Attention, Patrick Hernandez, qui crée le buzz. Il a voulu créer le buzz et finalement bonjour, messieurs. Bonjour. Salut. Ah, ça fait du bien d'avoir des meufs souriantes, je veux dire, plutôt que crispées dans leur string. Il m'étonne que monsieur Barbecue ne revienne pas à l'en avant initial. Baston Jackie, vous êtes avec Chaval. Il y a une baston entre Chaval. Oui, excusez-moi. Je suis changé de plateau. Vous affolez, je me suis changé de plateau. Ce n'est rien. Oh, quelle belle prise de Patrick Hernandez. Ouais. Ah ouais, très fort, effectivement. Ouais, il a les burnes to be alive. Thank you, Jack. Ok. Ouais, c'est un sport d'hommes, même s'il y a de plus en plus de femmes qui la regardent, mais qui en pratique pas tant que ça. J'ai l'impression qu'on est pénalisé du côté tricolore, Jacques. Hein. Nous aurons l'occasion d'aborder le rugby féminin, mais dans le rugbyclub.com, hein, votre magazine le lendemain du match de Sportage à midi. Oh là là, pénalité, excusez-moi, mais là Jacques, j'essaye de reprendre le cours de cette retransmission, ça va mal. Effectivement, hein. La grille de tarifs pour l'équipe de France est en train d'augmenter. La pénalité est toujours à 3 points, mais elle ne cesse d'augmenter en quantité, à l'unité. Oui. Oui, mais c'est cette musique, j'ai l'impression, qui transcende les Argentins. Hein, ce n'est pourtant pas tout à fait le style local, mais l'underground argentin est certainement très, très redoutable. Et on écoute un peu de cet underground argentin qui secoue la formation Albicel. Je te t'aime. Le chrono. C'est un peu tardif, mais c'est très bien. Pendant ce temps-là, il y a soit du changement, soit du remplacement temporaire du côté argentin. Ils se jouent, en plus, ils sont bien sur cette pelouse, ils se prêtent la place. Je veux dire, ils sont en train de nous mettre minables. Ah, ils nous font molle. Le PIB français va chuter de quelques millions de francs. Minou,
Minon, est-ce que quelqu'un a pensé à bouffer au chat? Pas vraiment, non. Personne n'a donné à bouffer au chat? Voilà, là, ah, on va bouffer du rugby, là. On bouffer cuir tout mais le monde. Il n'aime pas le rugby, le chat, il n'aime pas. Hein. Alors, récupération du ballon, par démerdez-vous. Hein. Le pack. Merci, la télévision française, ouais. Par le pack. Ouais, que ce soit une pub, mais il manquait la marque. Ouais, le ballon est argentin. Ah encore ouais, et toujours, encore. Sûr. Mais pendant ce temps-là, Jacques, l'horloge défile. Elle tourne, bien sûr. Et le score est pour l'Argentine. Ils sont parfaits dans cette partie. Ils sont intelligents dans le contexte. Ils sont forts sous le prétexte. Ouh, oh, là, la balle. Il, oh, il va dégageat. Ah, dégageat. Ouais, mais il dégage. Donc, il rend la balle aux Argentins. Donc, pression supplémentaire. Je veux dire, à un moment donné, Jacques, quand on est dans la... Il faut le dire. En de droite, de gauche. Oui, on l'est aussi d'ailleurs de ce bien côté-là sûr. De la politique française. Ouais, on avait en bois de l'eau côté français, ça va nous rassurer quand même. Il y a Mazo qui boit de l'eau, hein, parce que la porte pour l'instant. C'est quoi, c'est la marque d'eau qui s'appelle Maz? Il me semble que la porte est un peu fermée sur les images, Jean-Louis. Ouais, à mon avis, effectivement. Argentina touche, on n'arrive pas à en contester une seule, mon pauvre. Pas mais une, ils sont champions du monde, les Argentins, ou quoi? Non, mais ils vont nous défoncer, ils vont nous en mettre un autre. Non, attends, 17-9 pour les Argentins. Non, il ne peut pas, il ne peut pas, il est contre en plus. Ouais, peut-être jouer un petit peu plus. Lui aussi, c'est du baby-foot maintenant. C'est du baby-foot avec belle roulette de Jean-Louis. Jean-Louis roulette. Du baby-rugby, ouais. Du root baby. Ah, c'est un peu le bordel sur la pelouse, nous ne le cacherons pas techniquement, ce match est minable. Ouais, je trouve que les Argentins deviennent un peu trop gourmets. Là. Peut-être qu'ils pourraient commencer à gérer la défaite de l'équipe de France qui va. Non, ils gèrent. Tu exagères. Oui, mais reste du champ, Eric. Mais bien sûr. Ah bon, viens, par là, pour une fois. Détache-toi ou envoie un émissaire, je veux dire. Tu n'es pas obligé de tout faire. Attention, Jean-Louis, maintenant tu arrêtes avec ces plans flous, là, ça me fait mal à la tête. Touche pour les Argentins. Quelle mouise, comment on dit tanné en argentin ou en espagnol, tout simplement. Est-ce que quelqu'un peut nous aider au 0561 Compressar. Concasor. Concasor, transmet tranquillement la balle. Pendant ce temps-là, on gagne 2-3 mètres. On joue, on a la balle, on a le chrono, on a le score. On fait bibut. Allez, on fait bibut. Allez, bibut. Alors peut-être faire parler comme des grands enfants, peut-être qu'ils n'ont pas entendu. Boucherie, voilà, boucherie. Allez, on fait bibut. Allez, boucherie. Oh, voilà, purée. Allez, le couteau, la fourchette, la cuillère. Au repas. Et le magret. Et le magret. Oh, voilà. Et voilà, faute de main. Non, là, la balle, là, c'est bon, le champ là-bas, vas-y, Coco, donne-la. L'équipe de France qui essaie d'attaquer maintenant avec des gladiateurs complètement lancés dans les 22 mètres étrangers. Une transmission pour Mignonette. Arrêt Buffet signé les Argentins. Qui mène bel et bien. Ça défend bien. Et qui joue au ballon bien. Ça défend. Petit côté pour les Français, on est pris, il faut lâcher, sinon on sera sanctionné. Yeah, one for the time, two for the show, three for the score, 17-9 pour les Argentins qui nous bluffent. 17-9 Oh, match d'ouverture, c'est dur. Incredible, Argentina. Take away. Come on, baby, on revoit ça gentiment. 18e. Boucherie qui s'était ouverte. Une magnifique galerie marchande de boucherie. Oh, la boucherie d'en face. On voit le boucherie. C'est la chevaline qui l'a. On voit le boucher d'en face qui a filmé la boucherie d'en face. C'est ça, la concurrence aujourd'hui. Présenter un joueur à passeport rouge dans sa soirée. Ah, les papiers pour le. Pour les sportifs étrangers en France, hein, la Coupe du Monde n'a pas arrêté le travail des douaniers. On vérifie les papiers. Dites personne d'ailleurs. Ouais, on vérifie plus facilement les papiers des gens que effectivement le taux des macrotites. Des macrotites. Merci, bref, merci, le dopage sans gain. Mais avec gain. Des macrotiques. Il est là. Ah, il est là, Chabal. Je pense qu'il va envoyer la purée. S'il a la balle. Ah, il a encore le survêt, c'est pas tout à fait bon. Steak purée, votre repas pour cette deuxième mi-temps, steak Chaval. Il ne supporte pas le petit foie. De la police qui s'occupe de cela. Ah oui, la police s'occupe de son nom. Excusez-moi d'intervenir. Oui, pardon, Jackie, oui, des précisions. Zébra 3, j'appelle toutes les voitures au stade de France, il faut aider cette équipe en perdition. Ouais, faut donner.
faut donner de la force, de l'esprit, de l'âme et du score. Allez, on tente avec Zoisillon, moi c'est ce soir la mitraille. Avec François Gisbert. Dans la mêlée littéraire. Ouais, bien sûr. Ouh, on est pris, on lâche la balle, pénalité. Hors-jeu. Bien sûr, l'avantage des Français. Yes. Ok, pour se rapprocher au niveau scoresque. Ça nous ferait combien? Je retiens, je reviens. Il nous resterait 5 points. Un essai. Non, transformé. Oh, les Argentins qui mènent 17 à la fin. Waouh. Comment vous dites? Waouh. What a suspense, what a surprise, même si ça n'est qu'une demi, pour moi aussi. 5, 4, 3, 7, 0, jingle. Il arrive. Tu me fais rêver toute l'année. Et ainsi vous aussi, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos jingles sur le répondeur. Merci, on va pas écouter celui-ci, mais n'hésitez pas. On rate le début, mais on ne rate pas la fin ni la transformation. On rate la pénalité, mon gars. Bien sûr, on rate la transformation de ce jingle. Je ne parlais pas du jeu, si tant est que la France se fournit du jeu. Faut dire que c'est un peu salopard d'envoyer un jingle aussi pourri au moment d'une tentative de transformation de pénalité qui part. Ouais, mais après tout, le jeu français est à peu près au niveau du jingle. Jacques, il ne faut pas l'abattre tout de suite. Ne faut pas l'abattre tout de suite. Bonbon. Nous lui laissons 5 minutes bonbon à ce jeu cramé. Français. Bonbon cramé. Je pense qu'effectivement, c'est peut-être l'effet Monsieur Barbecue, l'arbitre de cette partie. Là, c'est la régalade. La régalade, bien sûr. On va écouter cette action ralentie. Ah non, surtout pas. Non, surtout pas. C'est absolument miracle. C'est absolument miracle. Je vous avais prévenu. On peut pas l'arrêter. On peut pas l'arrêter, ce ralenti. C'est terrible. Il redescend bien. Attention à ce ballon, il est récupéré par les Argentins, j'en suis sûr. Et oui, ils sont bien sous les chandelles, les Argentins. Mais alors, on va se gêner qu'on est bien. On va jouer sur les chandelles, les gars. Maintenant, on demande qui. Allez, on passe par là, la plus grande avenue du monde, la plus large, côté argentin, Buenos Aires, qui passe pour PB d'ailleurs. C'est plus qu'une avenue, ce sont les Français avec Jean-Pierre Derive qui fait le maximum. Là. Mais là, c'est vrai que le vent ne lui était pas favorable. Ni le vin, d'ailleurs. Le vin, peut-être. Attention à la contre-attaque, non, tentative, petite feinte, on met un peu d'argent. Bien sûr. Mais il aurait mieux à faire, lui, quand même. Mais c'est comme ça, c'est pas comme ça qu'on met quelqu'un en feinte. Tu ferais comment? Ah, ouf, attention. Oui, je pense planquer que là, les enfants. Là, on va sortir l'obus de 14. La grosse valve. La grosse Bertha. La grenade offensive, on l'appelle. Oui, bien sûr. Démonte tout. L'ours dit des Papyrénées. Qui vient de signer un gros contrat dans une casse. Oui, il n'est pas d'origine slovène, vous vous inquiétez pas, il ne va pas tomber de haut. Le ballon est cafouillé par l'équipe de France. C'est bon, pas quoi. Ça ne permet pas de. Si, quand même. Je te dis que non. On contrôle le capitaine français. Peut-être il faut parler avec les noms français en argentin pour qu'il gagne. Et tu veux essayer? Équatorial. Excuse-nous, on est con. Moi, je crois que c'est possible. Tout est possible. Jean-Louis, tu m'amènes la caméra directement, là, j'ai des choses à filmer. 50. Il y a du poulet, les gars. Il y a du poulet à manger ce soir. Attention avec Arthur Matin. Jean-Louis tripote l'animal, c'est mauvais signe. Arthur Matin là, qui a été un petit peu. Qui n'était plus tout à fait sous garantie. J'ai été secoué, Arthur Martin. Voilà, avec les Français qui avancent. Hein, avec un molle, le molle, donc voilà. Une mêlée regroupée, debout, on va dire. Un regroupement. Un molle actif, un molle en avant, un molle pour un bien. Voilà, ouais. Pour un bien. C'est un molle pour un bien pour les Français qui cacafouillent. Le mot est faible et l'équipe de France avec. Dans les 22 mètres, Argentin tout de même, on va pas non plus vous raconter n'importe quoi puisque vous avez les images. Non, on va pas pleurer. Tout le monde n'a pas l'image, Exportaz, effectivement, 94 FM, vous coupez le son de votre téléviseur, de toute façon vous trouverez pas plus con que le téléviseur au niveau son. Ah oui, s'il y a quelque chose à couper sur une télé, c'est le son. Après l'image, tu peux t'en raconter ce que tu... Oh là là, il est là. On dirait que là, le tailleur de pierre qu'il est, va pas s'empêcher de tailler les shorts. Visiblement, c'est Humungus. Oui, Humungus va rentrer. Jackie, je suis prêt.
Ouais, je suis prêt. Ok, ouais, bon. Ah. On sent un souffle terrible ici dans ce stade de France. On sent comme une espèce de retenue d'abord à cause de la pénalité, oui, et puis ensuite à cause de la possible et imminente rentrée. Attention avec de The Brut. Oui, Brutus, Caius, Perdus peut-être, mais en tout cas là avec bonbon créma, oui, bonbon, ou bonbon cramé, cramé hein. Suivant que ça se mal à ce mal pour l'instant, ça se passe bien. Ça se passe bien. Ça se passe bien pour celle-ci. Il se récupère parfaitement, bonbon créma, et il transmet nos amitiés. Bonbon cramé, c'est quand ça se passe mal. Le peuple français. D'accord, et nous le peuple français, 3 points de plus, on se rapproche, c'est ça? Ah oui, oui, mais jusque-là, on se rapproche du vrai rugby. Alors là nous assignons l'heure de jeu, et regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. C'est le grand copain de Mazo, on l'appelle Sado. Alors, bon, Mazo, merci Jean-Louis à la réalisation depuis 57, bien sûr. Au moins, est-ce que ce soit depuis 51. Et Jacques est en train de se faire l'apéritif tout seul. Je peux vous le confirmer. Pendant ce temps-là, les Français ont réduit le score, bien évidemment, ici au Stade de France. Et ils ont fait rentrer, s'il te plaît, ils ont fait rentrer. Brutus Caius. Il y a plus qu'une barre d'écart entre ces deux équipes, il y a 5 points. Il y a un essai non transformé, tout simplement. D'accord, qu'est-ce que c'est qu'un essai non transformé ? Eh bien, tu aplatis derrière l'embut, mais tu ne passes pas ensuite la possibilité que tu as et qui t'est offerte de convertir 2 points supplémentaires. Bonsoir, madame, bonsoir, mademoiselle, bonsoir, monsieur. Petit point de côté. Écoute, et je vois ce que je vais faire. Tiens, j'ai encore de la couture à faire. Atelier, ça marche tout de suite. Ce moment d'émotion. Non, ne rajoutez pas quand même. La couture, ce moment. Appuie sur l'accélérateur. Ah, pardon. On nous signale qu'il y a eu plusieurs changements. Effectivement, Arthur Martin est sorti aussi. Et on n'a pas fait rentrer du foutoir. C'est-à-dire du foutoir, effectivement. Du foutoir n'est pas rentré. Ouais, un peu trop explosif, hein, il en mettait partout. C'est quand même un peu étonnant qu'il n'ait pas rentré, faire rentrer du foutoir qui doit maintenant foutre le Y dans cette. Oui, oui, c'est possible. Oh, le petit coup de pied tactique, très argentin, footballistique, mais la France est calculée. Chabat, il va t'en manger, hein. Brutus Caius. Allez, on accélère le processus, les Français qui vont reprendre le dessus du panier. Le dessus du panier. Oui, 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 effectivement. Mais Brutus Caius s'enflamme. Et le peuple sombra. Brutus Caius. Alors que là. On réfléchisse. Oui, je sais pas, effectivement, mais on tombe de haut et on se retrouve bien bas. Ah, c'est délicat. Je vous dis, l'heure de jeu, c'est l'heure de la casse. C'est là où, bien évidemment, les rotules, les pompes à injection, les bobines, et bien tout ça évidemment... ne laisse pas beaucoup d'espoir. Et non, les bagnoles vont casser. Vous allez voir, il va y avoir du changement. Contrairement à Blanco aujourd'hui. Blanc. Ah oui. Merci pour cette précision. Eh oui, ce n'est pas le plan A, ce n'est pas le plan B, c'est le plan Co. Mais bonbon Créma, Jacques a été un peu bâché, me semble-t-il, sur cette c'est action. C'est possible, on va voir s'il a les... Regarde, Brutus Caius. Match point. Allez, break. Bien non, pris. Non, c'est bien, c'est bien, ça va, c'est correct. Par contre, la prise de balle, par contre, de Heyman, c'est pas terrible, à moins que ce soit la passe. Tout est magnifique, sauf la réception, bien évidemment. Ouais. Cette musique me fout une trouille monstrueuse. Bien sûr, la réception, bien sûr, de l'antenne. Ah, là, c'est la planète des singes, en tout cas. Effectivement, on voit là l'arbitre du jeu. Ah, non, question non. Pour un on change grand encore, pion. Encore du changement, oulala. Elle n'a pas besoin de savoir conduire. C'est le moment, non. Il ne faut pas savoir conduire pour jouer au rugby, monsieur. Non. Vous pouvez, sans permis, non. Absolument rentrer sur la pelouse. Savoir conduire, par contre. Se conduire. Le ballon. Bien évidemment. Conduite de balle aussi importante, aussi importante, aussi que importante, bien sûr. Bonbon Créma qui a été particulièrement, qui n'a plus de sucre, hein, Bonbon Créma, il a été tellement sucé, mâché, qu'il n'en peut plus. On fait entrer Michoko. On va le voir. Le remplaçant de Bonbon Créma, Michoko, ça me semble assez logique. Sans additif. Allez, les Français qui introduisent, moi ce sont les Argentins. Oui, bien sûr, ce sont les Argentins qui ont le ballon. Attends, tu peux me refaire ta voix de « Allez, les Français », vas-y. Allez, les Français. Ah non, t'étais plus... Je t'emmerde. Les derniers jours ont été difficiles. Et nous sommes au début. Faites ce que je vous dis. Très bien. On suit cette action, alors. Avec Mignonnette. Ouais. Eh oui, Charal va attirer quelques défenseurs sur lui, ça va peut-être pouvoir laisser des espaces aux autres. Mignonnette, qui ouvre cette fois-ci. 5 points d'écart entre les deux équipes à l'avantage des Argentins. Mais tout peut basculer. Toujours très bien. Mais là, peut-être le décalage est fait. Oui, le décalage est mal. C'est pas mal ce qu'il essaie de faire, non. C'était saute-mouton.
Et il a réussi à s'échapper, mais intervention magistrale de la défense argentine qui empêche l'action de se développer. Que dit Monsieur Barbecue? Pardon. Bien sûr que je suis fier de ma fille. Ça n'a rien à voir, monsieur l'arbitre. Veuillez passer dans le contrôle antidopage. Ayez pour objectif un seul but et ne déviez plus. Absolument. Pour l'équipe de France, c'est la victoire. Mais celle-ci se dessine difficilement dans cette confrontation qui devient de plus en plus dure pour les organismes. Jacques, il y a de plus en plus de blessés sur la pelouse. Les gladiateurs sont épuisés. Les gladiateurs sont fatigués. Le combat est en ligne. Le match est enjoué. Qui? Du puma ou du coq? Restera debout. Il va vomir. Merci, merci Pay l'Orchestre. Mais on revoit au ralenti cette action extraordinaire. Jean-Louis, tu me remets du fond de teint. Katia, d'où viennent ces coups? Non, mais Jean-Louis, il est maquilleur parce qu'il sait que ça lui fait du bon travail pour l'image qu'il fournit. Oui, c'est vrai que qui ne maquille pas aujourd'hui? On est bien loin des années 40 où qui rentrait dans le maquis? C'est la même question, mais dans un contexte beaucoup plus dur. Excusez-moi, mais il y a du changement. Oui. Est-ce que l'amiral Vincent est encore dans les parages? Bien sûr. Est-ce que l'amiral Vincent pourrait venir me voir? Dans mon casque, je m'entends parfaitement. Oui, on vous entend. Allô, Vincent? Un problème de décalage de son. Oui, il y a un décalage. Vous êtes en 125 BPM. Tu l'as eu? C'est bon, mais il était en 125 d'habitude, on est en 128. Pour une fois qu'on a une liaison. Oui, c'est vrai, oui. Hein? Enjoureuse. Les Français dans les 22, Argentins avec une combinaison, mais tout de suite. Parfaitement lu par la défense argentine. Oh là là, qui peut contrer. Oh là là, on va se la prendre. Oh, on a eu de la chance. Oh non, c'est pas vrai, ils n'ont pas de chance. Non, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on compte. On peut pas, on est déjà pris. 1, 2, 9 et 3, 4. Allez, 1, 2. Bulldozer qui se fait secouer. Il y a les chiens, il y a les poules. On est dans la basse-cour. Ah, ce match, on est bien. On est mal. Ah, l'équipe de France. Je ne vois que ça, non, c'est nerveux. Non. Ça n'a pas été possible. Ah non, c'est pas possible. Arrête immédiatement. Oh là 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 là, cette balle est bien pourtant. Ah non, ce coup de poignet. Il y a un courant d'air. C'est vrai que le plaquage était dur et c'est vrai qu'il y a du courant d'air là. La porte! Mais là, tribune! Le futur secrétaire d'État sera-t-il l'entraîneur battu au premier tour, au premier match? Au premier tour, c'est pas mal! Tu crois qu'il perd des points du coup? Disons que pour une entrée dans une nouvelle place, c'est un peu chiant d'arriver sur une. Oui, mais bon, c'est quand même pas le sport qu'il a fait. Ah non, si, lui, c'est le sport qu'il a fait. Lui. Non, le score. C'est le score qu'il a fait. Oui, non, je vois pas d'autre chose. Non, je pense que, voilà. Attention, c'est du score. Je pense que le concept de Sarkozy, c'est le score spectacle. Jacques. Argentine. Oui, putain, ça. Ils ont récupéré la balle sur l'impact physique, c'est terrible. Ricordo, Argentina. S'il résiste maintenant. Passarella. Ça va être difficile. El peor de oro. Oh! Me recuerdo al bife. Me recuerdo Flora. Sí. Me recuerdo la victoria. Sí. L'équipe de France dans les abîmes. Me recuerdo. Me imagino. Campeón. Campeón del mundo. Sí. Argentina campeón del mundo. Sí. Sí, está posible en el rugby. Pas encore. No hay caponín. Oui, calmez-vous, s'il vous plaît. Alors que c'est Alonso qui vient de passer en 1:31.04.07. Oui, alors qu'il y a quand même là, on a les chronomètres Jackie, hein, vous êtes au stand, absolument. Voire à Ostend en Belgique. Je suis à Mendoza. Oui. Enfin, chez Mendoza, d'accord. Je devais aller à Monza, mais j'ai pas. Oui, bien sûr. Il m'a trompé l'avion, bien sûr. Oui. Chérie, j'ai rétréci l'avion. Formation a toujours fait partie du peloton de tête. merci de nous le signaler. Je pense que c'est pour nous remonter le moral. Oui, on écoute, hein, c'est du crazy morse. Il me reste un quart d'heure à jouer, moins d'un quart d'heure à jouer. C'est vrai, on est mené 5 points. 5 points d'avance pour les Argentins face aux futurs champions du monde. Elle n'était pas vraiment droite cette touche, il ne la signale pas, monsieur Barbecue. Et le ballon est mis en l'air une fois de plus, dans l'espoir de pouvoir le récupérer. Oh, c'est pas mal vu, non, mais cette fois-ci, hey man. Ah ouais, il garde la boutique, bien sûr. Bien sûr, la boutique du stade. Ah bon, le circuit le plus long et le plus difficile de tout le championnat. Absolument.
Absolument, il faut lâcher cette balle. Ouais, Gilbert, libérez Gilbert. Voilà, on libère le jeu, on libère la balle, l'espace. On va faire de la créativité à défaut d'avoir chopé dans la créatine. Arrête avec ta marque. Oh là là. Qui a renvoyé ce ballon? Attention. Continue à jouer, dit Monsieur Barbecue, qui je pense est un petit peu partie prenante dans l'action qui s'est déroulée juste avant. La musique est féroce, l'ambiance est torride ici au Stade de France. Allez, Bultomène. Ouais. Big Dolmen, comment tu l'appelles? Bultomène. Moi je l'appellerais Menhir. Comme tu veux. Non. Menhir montant, il joue pas à Paris. Ça monte un peu trop. Attention à cette balle. Elle est récupérée par les Argentins. Par les Argentins. La chute de certains de ses concurrents. La chute de certains de ses concurrents. Oh, quel bazar ici. Et elle s'en tire plutôt bien. Et elle s'en tire tant bien que mal d'évacuer l'Argentine. L'Argentine est en train de tenir son score. L'Argentine joue magnifiquement. Ici c'est l'embrouille d'Argentine. On les perd. Je vous perds, je vous gagne. À qui gagne. Allez, on joue gagnant. Allez, le score. Allez, on relance la roulette. Allez, c'est à Toulouse. Allez, on y va. C'est la fête foraine ou un loto? C'est la fête foraine ou un loto? Pendant ce temps-là, sur la pelouse, on se pose des questions. Jackie, vous répétez. Je vous avais dit de le faire avant le match. Ouais, mais tu sais bien qu'il est co. Il est co, nard. Courageusement. Touche française. Oui, avec les Français, bonne prise de balle. Caius Brutus. Technique, hein. Prise de balle, là, voilà. Voilà, on parle les fondamentaux. Ce n'est pas spectaculaire, mais ça permet de se regrouper, de se retrouver. Allez, l'école. L'épaule de la vie, l'épaule à la France et l'équipe de France de rugby non, dégage comme elle peut en direct de C22. Je passe la parole à la police. Ah, ça resaigne, il y a de nouveau un saignement, appel à toutes les bagnoles. Et voilà. À l'arrivée, c'est Caius Brutus à l'arrivée, bien évidemment. Merci. Zéro, non, pas effectivement. Il y a 12 pour la France, 17 pour l'Argentine, 68 minutes de jeu. Autrement dit, il va falloir y aller, parce que sinon, on va ramasser. Hey, la tannée, la purée, tout ce qui va avec. Oh yeah. Oh. Oh, ça va mal finir. On n'aura plus qu'à se griller un steak. Oh. Ah, mais du bon steak argentin. Oh, bien sûr, un bon bœuf, un bon bluff. Et la pampa. Cette équipe argentine nous régale avec ou sans créatine, on s'en branle. Allez, quoi, c'est du bon. C'est n'importe quoi sur la pelouse avec l'ami Choco, l'ex-Toulousain, et bien sûr, qui jouera en hémisphère sud. Oui, il s'est couché, il faut qu'il lâche. Lâche, gars. Il a lâché. Mais bien sûr, normal, il a peu lâché, pas suffisamment. Qu'est-ce qu'on fait? On joue à la main, au poing, avec la tête, avec les neurones, sans les oreilles, avec le pied. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, mais t'as vu du côté argentin quand même, tout à l'ordinateur. Hein. Alors on se tripote un peu entre boucherie et son ami charcuterie fine. Jackie, vous apprenez la guitare, mais c'est pas le moment, connard. Si tu trouves que c'est un son de guitare, ça c'est pas un son de guitare, ça. Je sais, il y a des gros mots, mais enfin pour l'instant. Oui, c'est vrai, t'es grossier là d'un coup, je ne sais pas ce que je t'ai fait. mais quand même. Oui, je sens ça fait deux fois que tu me traites. C'est vrai, ça. Et là, effectivement, il y a possession subjective du ballon avec prise obscène du joueur. Donc, effectivement, c'est une pénalité catholique. Oui, moi, je voulais juste dire à Marco et aux autres que Marco, que Bruno ne les oublie pas. Bien sûr. Ah, on lui dira. Oui, parce que moi, en fait, j'ai que Internet. Eh oui, il y a un petit décalage. Je ne vois pas l'image. Oui, bien sûr, mais bientôt de l'image avec ombilical.org, encore un des points forts, si je puis dire, de cette Coupe du Monde de rugby que nous vous préparons aux petits oignons. Oui. Allez, gros bisous de la part de Bruno. Ok, Bruno, et spécial dédicace aussi à Bruno, et puis tous ceux qui nous soutiennent depuis quelques années, de nombreuses années, bien sûr, des années sonores. C'est difficile. Qui c'est? Attention à cette pénalité. Elle est française. Elle peut permettre au tricolore de revenir à 2 points seulement. Bon, ils sortaient là, vous comprenez pas, là, que c'est en direct, bordel, que ça devient faux, ça devient chaud. Pardon, Jackie, c'est quoi? C'était quoi? Bon, bref. Visiblement, il teste des klaxons. On y va. Fais gaffe, chacun. C'est l'ami Choco qui s'y colle d'entrée, il est rentré comme ça et tout. Je tape les pénalités, je vais marquer les essais. Bien sûr, il est là pour gagner. C'est la rédemption. Il est là pour gagner.
Le respect, mais c'est pas pour maintenant. Hein. Oh là 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 là. Ah, que c'est bon la pression quand on ne la digère pas et qu'on la dégueule en direct devant des millions de téléspectateurs. Je pense que c'est un plus joli ratage, mais très esthétique. C'est vrai, hein, c'est vrai, hein, vraiment. Avec une élégance certaine. Ouais. Tu peux nous louper louper, nous zoomer, que dis-je, louper au sens de la loupe. Une image. Allez, une image, Jean-Louis, quand tu voudras, Sportaz, une image et tellement de son. Alors, qu'est-ce que je vous confirme ? Que c'est pas la musique que vous attendiez ? Ah, du tout ! Et si on pouvait l'arrêter d'ailleurs, ça m'intéresserait assez parce que j'ai quelque chose quand même à vous dire solennellement. Je la mets au sol. Oui, là ou au ré, vous la mettez où vous voulez, mais vous l'éteignez. Merci, monsieur. Je vous rappelle. Le pack français avec, oh là là, Bulldoman, mais non, finalement, il y a Bulldoman. Eh bien, celui-ci recule, le pack recule, on se fait plaquer de tous les côtés, on descend, on n'arrive pas à progresser, pas ça. Ah, le progrès économique, hein, c'est important, mais le progrès dans le sport aussi. Ça coûte peut-être moins cher, mais enfin, à l'arrivée... Le progrès social est quand même plus sympathique. Avec ce petit ballon dégagé, parce qu'il a été récupéré par les Argentins... Faut pas s'occuper de tout le monde, hein, je veux dire, maintenant qu'on est à droite, hein, autant... C'est pas ça ? Ouais, mais là, c'est l'UMPR. Hein ? L'UMPR ? Ah oui, pour le coup... Ah oui, il a perdu, ce ballon lui a giclé de la menotte. Les gens, ils votent gagnant-gagnant. De faire place à autre chose. Voilà, on devrait faire place à autre chose. Lui, il fait place à quelqu'un, tu vois. Déléguer le pouvoir aux autres, ça me paraît pas si intelligent que ça. Et lui aussi, mais c'est quoi, ils sont... Là, on partage le pouvoir côté argentin. C'est quoi leur maillot ? On joue collectif, je ne sais pas, mais à mon avis, c'est une symbolique intéressante. Il est trafiqué, ce maillot, là, non ? Oui, Jackie. C'est plus les joueurs qui sont dopés, c'est le maillot. Ouais, Jackie, la teuf bat son plein, à moins que ce soit le plein qui bat son teuf. Oh, c'est assez extraordinaire ici, on ne sent pas la pression, hein. Tout est relâchement, bien évidemment. Merci Jean-Louis d'afficher le site internet de Campus, je vous laisse alors. .campustoulouse.net, essayez de trouver la sortie. Merci. C'est bien d'être poli et de finir ainsi, mais la mêlée sera pour les Argentins. Les Argentins qui mènent déjà 17-12, qui sont dans la position de pouvoir marquer quelques points. On n'est pas bien. Alors, que fait le ministre de la Défense à cette heure-ci ? Pourquoi pas ici, quoi ? Ça serait bien, je veux... Oui, allez, viens, le ministre de la Défense. Ah oui, là, maintenant allez, il faut engager toutes les forces vives de la nation. Viens, mam. Allez, mam. Relâcher la situation. Oh, mam. Chiboule. Mignonnette qui sort et c'est Iglissade, hein, Jacques, qui va surfer sur l'Argentine, peut-être. C'est ce qu'on va lui demander de faire, effectivement. Attention, dans quelques instants, la reprise de cette confrontation extraordinaire. D'un côté, les Pumas chanteurs, sublime, de défense, et de l'autre. Une exclusivité. Ah merde. World Cup Campus. Sportos. Oui, là ça... Écoute, ça gueule un petit peu sur la pelouse, on essaye de se recadrer, l'équipe de France n'est pas sereine, l'équipe de France n'est pas sereine. Pardon ? De revenir sur... On peut revenir dessus. Jean-Ki, vous revenez dessus, s'il vous plaît. Rewind. Sur qui ? Ah oui, Jean-Ki. Jean-Ki. Ah non, moi je suis fatigué, je reviens pas dessus. Jean-Ki. Le ballon. Bousculade de la mêlée française qui se rebelle. Ok, Jean-Ki, t'as compris, Jean-Ki. Rebellion de la mêlée française. Ok, de la part de Pruneau. Ballon sorti tranquille avec Big Boss Patrick Hernandez qui tente de transmettre derrière les lignes de front françaises, mais celle-ci se rebelle. Voilà. Et dégage. Ouh, coup de tatane de Heyman. 7 minutes et quelques jouets et à peine 5 points d'écart. C'est l'Atlantique. C'est un essai, il le prend ce ballon. Non, les Français qui récupèrent avec un peu de la tchounche. Oui, Strunz, ça ne veut rien dire, hein, bien évidemment, c'est Schtroumpf. Et ce sera une mêlée, car il y a eu de l'en avant de tous les côtés, c'est une mêlée pour les Français. Son bleu, c'est le Schtroumpf. Ils font un peu ça, mais ils leur montrent la tête blanche. Surveillez le duel de la touche de Doga numéro 5 et de Stag numéro 4. Très bien. Vous voyez que Stag dépasse presque d'une tête, et pourtant Doga fait 1m95. Merci, Pierre. 1m94, tu commences à me faire Suez. Attention. Allez, avec le 9, montre-nous le 4 et on aura bouclé la boucle. Et toujours 12 et 17 pour les Français et les Argentins. Non, Jacques, là tu t'affoles. Reste. Les Français ont 12. Okay, les Argentins 17, il faut la transmettre. Ils le font très rapidement, ils ont compris que la pression était forte maintenant, oui. Avec le rebond, ils ont même la chance avec eux. Mais non. Attention à lui. Mais non, la défense est là quand même. Heyman, ce qui est là pour contrer son vis-à-vis. Ils sont encore là, les Argentins. Aïe, 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 aïe. Ils sont encore là.
il joue bien. Ah, il nous perturbe. Les Argentins, je crois qu'il nous en remettrait bien un. Il faudrait pas qu'ils finissent quand même mieux, plus frais que les Français. Sinon on va payer et ça sera terminé. Tu voudrais dire qu'on pourrait prendre un nouvel essai ou un drop, je ne sais. Mais il me semble qu'ils sont à distance maintenant pour marquer. Non. Ah, non, le rebond, ça compte pas. Non, c'est pas du ping-pong à l'engagement, allez. Ah oui, c'est pas du ping-pong. Non, allez, boucherie. Allez, boucherie, faut y aller maintenant. Il faut jouer vite, les gars. Il faut ouvrir à toute heure, boucherie. Vite, mais intelligemment, bien sûr. Là, on est mal barré, on est mal parti, on est mal au compteur, on est mal dans le cœur, on est mal dans la Coupe du Monde, on est mal en France. Personne ne prend ses responsabilités, les gars, il faut y aller, il faut y aller. C'est vrai que ça va être chouette de passer un mois triste. Ah, la grisaille, les bouchons, les impôts, l'augmentation du pain. Avec ce qui se passe, il grêle demain. Ah. Il lui a se faire. On va prendre un typhon sur la gueule. Ok. Belle prise cette fois-ci de Harry qui se rebelle. Inspecteur dans l'âme. Ouais. Et joueur dans l'esprit. Les Français sont là regroupés en bien suivi par la France. Merci. Roger nous aide. Roger vous aide. Eh oui, on a besoin d'un coup de main et d'un coup d'air. Il est passé la faire de Belgique, il est incroyable. La balle arrive. Ah, Jean-Pierre arrive. Oh là là. Plus de mal qui se fait exploser et on perd la balle. Complètement fondé. Ça peut jouer, dit Monsieur Barbecue qui s'éclate. C'est une réelle partie de champêtre. Ok, je pensais que c'était Monsieur Popcorn qui s'éclate. Ah, sur... Non, il est sur El Maïs. Et c'est une pénalité, me semble-t-il, pour les Argentins. Que se passe-t-il? Jean-Louis, vite, vous le mêlez. C'est une pénalité pour les Argentins. Oh là là. Tout se joue là. Tout se joue là. Pourquoi quel dégoût? S'il la mérite, après tout, non, vive le sport! Vive la certitude du sport! S'il la mérite! Vive le hasard! Fais pas chier! S'il la mérite, du Sud! Bien sûr! Sur Radio Campus, Toulouse du Sud, Sportaz, des années d'expérience, une saveur incomparable, une fraîcheur inimitable! Bien sûr! Toute l'année, un sport frais! Un sport renouvelé, un sport gagnant, un sport qui sort, un sport tendre, un sport taz. C'était une publicité Radio Campus. On vous le mâchera pas deux fois. Madame, mademoiselle, messieurs, s'il rentre, cette pénalité qui, pour lui, est certes tout de même assez... difficile, surtout en cette période de match où l'organisme est fatigué. S'il la met, ça sent le brûler. Car il y aurait désormais spécifié 8 points d'écart. Autrement dit, adieu la gloire. Elle est partie, mais elle n'y va pas. Côté, sursis. L'espoir est tricolore. Sursis, au moins qu'il en ait marqué un sursis. Tu peux y croire encore. Ouf, je pensais que... Oui, pardon, un cero qui a appelé la cabine. Ah, qu'est-ce qu'on rigole, suspense à mort, avec remonter du bâton, constipation. C'est sûr, on n'est pas au mieux ici dans le short. Ah là là, la France défaite. Oui. La sale défaite. Ah oui, là, ça se confirme. Ouais, 1914, ça n'est pas que des bons souvenirs non plus. Il ne reste plus aux Argentins qu'à occuper un petit peu le terrain ou à feinter l'occupation pour essayer de récupérer le ballon, bien évidemment. Comme ici, ils sont superbes sous ces ballons. Ils sont superbes, les Argentins. Non, c'est bon, il n'y a pas eu d'obstruction et les Français qui récupèrent. Allez, avec tout le talent que vous connaissez. Oui, vas-y, hey man. Le talent, les gars. Voilà, le risque, le talent, la technique. Oui, l'inspiration, il y en a marre du jeu physique. Le French flair. Le French flair. Jeu physique. C'est l'attaque menée par Gachassin qui a donné à Tourte, qui a donné à Dupas. C'est du rugby pur, bien sûr. Iglissade qui perd le ballon. Oh, Iglissade, il n'y aura pas de en avant. On continue à jouer. Vas-y, Coco, ouvre large, mais il ne peut pas. La défense argentine est intelligente et coupe les espaces. C'est terrible ce qui se passe. Bon, exit, Alain Giresse, bonjour. Bonjour. J'y suis. Giresse. Les Français qui récupèrent la mise en jeu, on va dire. Oui, mais attention, elle est parfaitement disputée. Et pénalité pour les Argentins. Cette fois, je crois que c'est terminé. Ça devient sérieux, quoi. C'est cool. Ça devient très sérieux. C'est très cool. C'est très cool jusqu'au fond.
la défaite, d'annuler le championnat, de provoquer la destitution du nouveau championnat au profit de Lyon, la et de jeter la défaite. Ça me rend fou furieux. Maintenant, on va se la faire mettre en direct, bien sûr, à l'ouverture, bien sûr, à la demi-ouverture, aux trois carrels, un peu partout dans le jeu, on est passé à côté. Ouh, la coupe du monde se complique sacrément. Oh, sacrément. Je crois que nous vivons un terrible moment. Oh là là. Oh là là, là. Mais qui au début ou à la fin nous ment. Oh là là, oh là là. Si la mer, on sera en manque. Comment veux-tu qu'on passe un mois de rentrer tranquillement? Oh, si d'entrée, on se fait mettre minablement. Oh là là là, on l'a bien bien dedans. Ah, franchement. Oh, ça rentre pas, ça passe à côté, à droite, à gauche. Ah, il peut se planquer, il peut se planquer. Il est parti. 5, 4, 3, 2, 1. On n'a pas vraiment produit du bon jeu. Les gars, non, passe à côté, non, lui aussi, il a la pression dans le short. Oh, mais je crois que ça n'est de toute façon terminé, Jacques. Ah non, ouais, à moins si, que là-dessus. Non, à moins que là-dessus. Si, non, si, les non. Argentins vont nous planter cuits. Le France-Sénégal 2002 reproduit dans le rugby, c'est possible. Jacques a de vieilles références, c'est sympathique, mais là on s'est tamponné effectivement. Et je crois que l'arbitre peut arrêter le match, peut arrêter la confusion terrible. Les Français qui vont perdre le match d'ouverture, mes couilles. Ah non, Jacques, non, Jacques, tu es grossier. Ah oui, c'est vrai, mais c'est le jeu français, oh surtout, c'est ça, je veux dire, on attendait tant. Bull on nous a fait monter, on n'avait pas de doute. Que dalle, allez les gars, dernier espoir, au moins une belle action. Non, l'Argentine, au moins. L'Argentine a mais fait bien sûr qu'elle a mérité, mais les Français, peut-être, ont manqué de toto. Ah, ils nous bouffent le potentiel auditeur, là, ils vont nous saccager la saison. Les Français ont manqué d'audace. C'est pire que le mauvais temps, moi, en plein été. C'est terrible, il vient nous arriver. Ah, heureusement, Sportas vous accompagnera jusqu'à la finale, ça fera moins mal. Il ne manquerait plus que demain, l'Italie se fasse tranquillement, l'équipe à Raymond. Ouais, tu confonds peut-être avec le match des Italiens contre les All Blacks, c'est fini, peut-être. Jacques, c'est fini. Les Français, c'est fini. Battus. Oh, bravo, Argentina. Aïe. Bulle de mal, non, bien pas. Ça va faire beaucoup de bien à ces Argentins. Ah ouais, par contre, du côté... Oui. Hein, je veux dire... Il n'y a pas que l'argent dans le sport. Il y a le résultat et le score. Eh oui. Il y a aussi toujours un peu plus l'effort. Ah oui, vous l'avez appris aujourd'hui. On est au sujet des faux passeports. Merci. Hein. Merci les gars, merci. Merci pour tout, merci aux Argentins d'être venu calmer l'ardeur française et d'un seul coup l'emballement général qui commençait à fatiguer déjà tout le monde, on se voyait beau. Eh bien le chemin sera délicat, le sentier sera difficile, mais nous prendrons celui où poussent les fleurs sauvages et nous irons jusqu'au bout de cette compétition champêtre désormais pour nous. Allez les autres, et la France au travail. Vous êtes en direct, on vous écoute. Sportage. Il n'y a plus que ça, monsieur, vous avez raison. L'Argentine qui vient taper l'équipe de France dans un match d'ouverture, dans un match hyper important, dans un match de nature. Oh, c'est plus qu'un manège, les amis. C'est une révolution. Coupe du monde de rugby 2007 sur Radio Campus Toulouse avec le conseil régional de Midi-Pyrénées. Ah, on se régale bien sûr aussi avec Estampère l'imprimeur qui n'a pas peur de suivre ce portage jusqu'à la finale et ça fera moins mal avec bien sûr nos petits sons et nos petits amis. Oh, que l'Argentine est belle quand elle gagne. Mes chers amis, nous ne vous cacherons pas que débuter cette compétition par une défaite, c'est difficile. Envoyez vos droppes, approchez messieurs dames, envoyez vos jeux, les trois quarts, allez, revenez jeu, allez, l'équipe de France à la dérive. On y va, on prend tout, c'est le sol, allez, on chine, on part en Chine. Il va s'en vouloir toute sa vie de cette mauvaise inspiration, Arthur Martin. Alors qu'il était en train de cuire, eh bien, il a laissé fuir. Et ce sera donc la défaite française installée ici au Stade de France. On y va, les orgues, on y va, le grand désorgue. On va faire une loi, bien sûr, très bientôt contre les matchs où nous perdons systématiquement contre les mêmes couleurs. Ouais. C'est TF1 qui se frotte les mains, c'est bien. Ah bah oui. Hein. Mais il se frotte les mains avec la tête, c'est ça le problème. C'est sûr, chéquier serré. Eh bien, ça. On commence par une défaite. Que voulez-vous qu'on vous dise, hein? Ils n'ont qu'à mieux jouer.
C'était Sportaz, numéro 600, on va vérifier. 52-52, et donc à midi, vous avez le rugbyclub.com, à midi, pendant 15 minutes, vous voulez en savoir plus sur Sportaz, la Coupe du Monde et Campus, évidemment, vous nous suivrez, et 21h, le Italie-France, qui ne sera pas moins embêtant demain soir, grâce à Dominique Nick, bien sûr, les excellents entraîneurs des équipes de France de foot et de rugby. Je pense qu'elles peuvent se recycler dans la politique, le score spectacle, mais arrêtez le sport comme ça où on perd pour rien. On a perdu. Voilà, ça nous rapproche de l'Argentine, qu'on salue bien Alfredo et ses amis, de la part de Vincent et ses amis, bien sûr. Spéciale dédicace à tout ce peuple argentin qui a tant souffert et qui a tant su faire. C'était Sportaz. Au revoir, madame. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, monsieur. Casse-toi, ouais. Perdino, le ballon, le match, la réputation, le spirit, le money, l'international, perdino. On va voir ce qu'on peut faire, on va faire de l'intérim. Prochain match demain soir, Italie-France, et il y en a qui ne s'empêchent pas de gagner de l'argent sur le dos de la Coupe du Monde de rugby en France. Allez, arrête. Quoique, ça nous chauffe. Ça nous chauffe un peu pour demain soir, non? T'as un train à prendre? Eh bien, bonsoir madame, bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue pour ce match Italie-France qui va opposer donc la formation italienne. On enchaîne, ce sont les talents infernales, ouais, on sûr. Est obligé si de produire ce match. L'Italie sans Materazzi, la France sans Zidane, un coup de boule en moins bien sûr, du suspense en plus. Vous l'avez compris, nous allons donc enregistrer le match de demain soir car nous ne pourrons être présents physiquement. Sportaz, une onde d'avance. Est-ce que inonde ta France? Allez, salut à tous. C'est là, on n'en peut plus. On en peut, mais il y en a qui n'en peuvent plus. Quoi. On est en banque un peu. Ok, zébra 3, tu m'entends, zébra 3. On est dans la radio. Zébra 3, si moi, ça. N'arrive pas à m'en aller. Excuse-moi, moi non plus. C'est vrai que là, on a un coup d'une dîne achevée. On a perdu. C'est un match d'occasion ou quoi? Ou c'est un match sans occasion? On nous a vendu ce truc, la Coupe du Monde! Coupé! Merci à vous. Bravo. Ah, c'est dur. Jean-Louis, sauce de décompression. Tu m'envoies tout ce qu'il faut pour se désinfecter, là. J'en peux plus. Promotion use only.